Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une autre astuce sur Excel, c'est suite à une question d'un abonné. Donc l'astuce donc correspond donc à changer ici l'état des icônes suivant la valeur ici. C'est donc j'ai ici des valeurs aléatoires entre 1 et 101, ok? Et on va donc faire F9 pour changer et les icônes changent suivant la valeur ici, ok? Donc, suivant notre tableau de bord, réalisé par rapport au budget. Donc, lorsqu'il est réalisé ici, il est entre 0,60, c'est rouge. Lorsque entre 60 et 80, c'est orange. Lorsqu'il est entre 100 et 80, c'est vert. Et lorsqu'il dépasse 100, c'est bleu. Ok? Vous voyez donc, c'est par exemple, c'est rouge. Ici, c'est vert. Lorsqu'il dépasse 100%, c'est bleu. On va donc mettre ici 150 pour avoir un dépassement de 100 et avoir le bleu. Ici donc, je vais retirer. Voilà, c'est bleu parce que elle dépasse les 100%. Ok, on va donc recopier cette base, copier, CTRL N. On va donc recopier ici pour recréer la même chose. Ok. Donc je vais supprimer ici donc. Okay. La première des choses donc consiste à importer ces images. Donc insertion image. Donc les icônes, elles sont ici, quatre icônes. Insérer. Voilà donc les icônes. Chaque icône ici. On voit les organisé rouge, orange, vert, bleu. Voilà donc ici le rouge. Ensuite, orange. Ensuite, la verte. Ensuite, le bleu. Je vais donc choisir ici 1, ici. On va savoir pourquoi par la suite. Ça donc c'est rouge, orange, vert, bleu. Ok. On va renommer ceci. Ça c'est rouge. Rouge. Ici, on écrit ici rouge. Contrôle, entrée. Ça, orange. Contrôle, entrée. Je sélectionne. Ici, vert. Contrôle, entrée. Ici, c'est le bleu. Ok. D'accord. Donc, la question qui se pose, c'est que ici, on est à la ligne 14. Égal. Si ceci est inférieur à 60, point virgule, 1. Point virgule. Sinon, si ceci inférieur à 100, point virgule 2, sinon si ceci est inférieur ici, pardon, c'est 80, et ici 100, point virgule 3, sinon on va mettre 4, et je ferme une parenthèse. Ok, si A4 est inférieur, voilà, on va est inférieur à 60, c'est 1. Pourquoi 1? On va décaler de 1. Sinon, si il est entre 60 et 80, c'est l'orange, on va décaler de 2. Ensuite, si il est entre 80 et 100, on va décaler par 3 et on va décaler par 4 lorsqu'il est bleu, lorsqu'il est entre 100 et 150. Ok, juste. Qu'est-ce qu'on va décaler? On va décaler cette cellule. Donc on va faire ici. Attendez. On va faire ici. Voilà. On va faire ici. Décaler cette cellule.
point virgule. En bas, je vais descendre avec 0 parce que je ne veux pas descendre. Ensuite, point virgule, on va déplacer selon cette condition. Je ferme la parenthèse. Donc ça, qu'est-ce qu'on va décaler? C'est B1. Donc on va figer B1. On va figer donc ici B1. Avec F4. OK? Et on va descendre selon donc ces valeurs. Mais ensuite, on va figer ici. Ça c'est F14. F4 pour figer, pardon. F4. Ici aussi, on va se figer ici. On n'a pas figé par la suite parce que pour changer entre 14, 15, etc. C'est pour faciliter la tâche. Voilà. Et si on va figer encore 6 lignes F4. Donc ça, ce sont des noms. OK? Ça, je vais copier, CTRL échappe. Et on va créer ici des noms. Ça, c'est quoi? C'est le rouge. Égal. Ça, c'est le rouge. Attendez. Ça, rouge. OK? Voilà. Voilà. Pourquoi il est ici? Parce que le rouge, il est à 96. Il est inférieur. OK? Ça, je vais le copier comme ça. CTRL, échappe. Ça, c'est donc c'est l'orange. On va appeler donc ici, nouveau. Orange. Appellation. Voilà. Voilà, c'est ici, parce que c'est neuf. Ensuite, c'est la verte. Verte. Voilà. Parce que ce sont 16. Et ensuite, reste bleu. Bleu, c'est ici. Je vais donc la recopier. Attendez. Nouveau bleu ici. Voilà, c'est 4, donc c'est reste donc à faire déplacer celle-ci, ça va toujours garder. Ça c'est quoi? C'est rouge. Égal rouge. Si. Voilà. C'est vert pourquoi? Parce que c'est 96. Je vais donc copier toujours mettre ici. Ça c'est quoi? C'est l'orange. Égal orange. Si. Voilà. Parce que c'est neuf. Je vais recopier encore. Ça égale vert. Voilà, c'est 116. Je recopie encore. C'est quoi ça? C'est bleu. Voilà, parce que c'est 4. Reste donc à faire F4, F9 pour changer selon ces valeurs. Et si. OK. Donc voilà, si c'est suite à une question d'un abonné, je peux supprimer donc ceci. Supprimer, voilà. Et voilà, je peux donc arrondir ceci, ça dépend. Ça dépend de ceci, parce que vous bougez ceci, ceci bouge. Parce que ça dépend. OK? Si vous mettre ça minutieusement pour que les images. Voilà donc, selon, il peut supprimer donc ceci. Et c'est tout. Voilà donc mon tableau de bord selon ces icônes. C'est ce fichier, je vais donc le mettre en bas. Nous sommes donc le 29/07/2016, 29, ou bien le 30 parce que c'est dans la nuit. OK. À la prochaine donc.